Peut-on investir dans l'immobilier sans se former? Voilà, je vérifie si le son est bon. C'est Belrix du blog Mike at Iswitch, mais pas que entrepreneur investisseur. Si tu veux me connaître plus, si c'est la première fois que tu découvres ce contenu, que ce soit sur YouTube, que sur iTunes, que ce soit sur SoundCloud, plein d'autres plateformes de podcast, ou mon blog Mike at Iswitch. Tout simplement, c'est un contenu d'investisseur entrepreneur. Donc, tu vas trouver des conseils sur l'investissement locatif, tu vas trouver des conseils sur l'entrepreneuriat, tu vas trouver des conseils aussi sur l'état d'esprit de l'investisseur, de l'entrepreneur, parce que c'est ça qui manque. C'est pour ça que je me suis fait mon contenu. Beaucoup de techniques sur YouTube, sur toutes les formations, enfin, le télé contenu, mais peu d'informations sur le mindset. Donc là, c'est des formations, enfin c'est des vidéos, des contenus où tu vois mon visage que j'appelle front. Là, j'ai décidé pour cette nouvelle année d'improviser totalement mes vidéos en front parce que voilà, je trouve que c'est plus naturel. Et puis voilà, mes tics de langage, tu as appris à les connaître. Donc n'hésite pas, si c'est la première fois, à t'abonner. T'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner ou suivre si tu es sur YouTube, enfin sur SoundCloud, et tu fais notifier comme ça. Si tu es sur YouTube, tu seras prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et là, pour cette année, je décide de passer la cinquième, et je vais faire un contenu par jour. Ouvrez, on va dire, parce que je vais pas m'engager sur les week-ends, parce que je veux plus le faire, mais bon, le week-end c'est sacré pour moi. Même si ça veut plus rien dire, parce que maintenant je vis en Martinique, je ne suis pas dans le métro boulot dodo, donc je ne reprends pas le travail le lundi. Je travaille rien te cacher tous les jours, un peu tous les jours, mais pas comme tu le vois. Avant, j'étais responsable informatique. Bon, si tu veux connaître mon histoire, tu vas cliquer sur le lien de la description, tu en sauras plus. Tu pourras aussi récupérer mon cursus offert sur l'immobilier. Je ne vais pas m'étaler parce que je trouve que je parle trop en ce moment. Bref, est-ce qu'on peut se former, enfin, est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier sans se former? C'est le thème de ce contenu aujourd'hui. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai fait une causerie d'entrepreneurs investisseurs avec Adeline, ma sœur, dernièrement. Donc je pense que ça va sortir bientôt. Ben voilà. Et ma sœur, elle c'est une investisseuse, elle a déjà fait 8 opérations. En ce moment, elle possède 6 biens qu'elle donne en location. Donc elle investit principalement sur la région de Toulouse et de Bordeaux. Et elle n'est pas du tout dans ça. C'est-à-dire que elle, bon, je te laisserai découvrir le contenu, mais c'est la même fratrie. Moi, j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme, et elle est plus dans la mode sécuritaire. C'est pour ça que j'ai pris ce risque de l'interviewer parce que j'aime bien me mettre sur le grill. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Je ne suis pas là à interroger des gens qui m'apprécient, alors ma soeur m'adore, mais qui sont d'accord avec moi à 100%, tout ça. Bien sûr, les causes d'entrepreneurs investisseurs, il y a plein de chaînes YouTube où le discours est convenu à l'avance. Là, je me mets en danger, c'est-à-dire que dans les causes d'investisseurs entrepreneurs, tu chercheras ces CEI, c'est je ne sais pas ce que la personne va dire. Et puis voilà, c'est sans filtre. Donc du coup, je sais que ma sœur n'est pas du tout d'accord avec moi. Enfin, du tout d'accord. Elle ne comprend pas complètement ma philosophie de vie. Et elle est plus dans une logique, je prépare ma retraite. J'investis pour préparer ma retraite. Donc elle, si l'investissement c'est une opération blanche, ben voilà, c'est gagné pour elle. Et moi, ma théorie et ce que je pratique, parce que je pratique mes prêches, c'est pratiquer au prêche, c'est une chanson. Donc je ne crois pas que je suis un gourou. Pratiquer au prêche, c'est-à-dire que moi, c'est un échec
si j'ai une opération blanche. Donc c'est la fin du monde si je perds de l'argent sur un investissement, mais si j'ai une opération blanche, c'est un échec. Pour moi, un rendement, il faut que quand j'investis en immobilier, je dois avoir un rendement de, allez, minimum 5%. Voilà, 5%, voilà, je dis ouais. Parce que tu peux faire mieux en bourse. Et la bourse, c'est beaucoup plus passif. Donc si ça sert à rien de se prendre la tête. Et puis, tu ne fais pas au moins 5%. Donc si tu me suis, si tu t'inscris dans mon cursus offert d'investissement locatif, c'est des conseils pour te faire minimum 5% de rendement. Donc, j'étais pas au courant. Enfin, je devinais ce qu'elle allait dire parce qu'on n'a pas la même philosophie de vie. Elle est cadre. Alors, pas supérieur parce que voilà, mais cadre moyen, manager dans une grande société cotée au CAC 40, son mari aussi. Donc c'est un couple, comme je suppose qu'il y en a des milliers en France. J'étais comme ça à l'époque, quand j'étais responsable informatique à Lyon. Mon épouse était salariée, moi j'étais responsable informatique. Donc voilà, je peux comprendre. Je pensais ça aussi. Mais maintenant que j'ai atteint mon objectif, et si tu me suis depuis longtemps, parce que j'ai lancé le blog My Cat Is Rich à Lyon, tu vois, tu as vu mon évolution. Mon discours de maintenant n'est pas le même que celui d'il y a 2 ans et demi. Et pour rien au monde, pour rien au monde, là on est, j'enregistre la vidéo, c'est lundi, je suis sur ma terrasse, il est quelle heure? Il est 11h15. Ma journée, pour ne rien te cacher, elle a commencé à Fitness Park. Enfin, je ne sais pas si je dois faire de la pub, mais dans une salle de sport que je fréquente. La salle, on est en janvier. Et peut-être que tu vas voir la vidéo plus tard. Mais on est en janvier, c'est le rush dans les salles de sport en janvier. Là, ça va, parce que les gens ne vont pas à 7 heures dans une salle de sport. Les gens vont avant le boulot. Donc je suppose qu'à 6 heures, 7 heures, c'est back full. Là, je vais pour 8 heures et demie, c'est vide. Donc, la route, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de bouchon. J'ai une vie cool. Et pour rien au monde, je ne ferai. Alors, je touche du bois, mais bon, j'ai travaillé pour rien au monde, pour avoir ça, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc, elle peut pas comprendre ce que je vis, il faut le vivre pour le croire. Et moi, je te le souhaite, si tu regardes cette chaîne, il faut le vivre pour le croire. Donc, toi, tu te dis, bon, je vais investir en immobilier. Et moi, je te dis, ce qu'elle m'a dit, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que. Non, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu as suivi des formations? Je connaissais la réponse. Parce que elle est contre tous les gens qui font ce métier. C'est-à-dire que pour elle, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas besoin de se former. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter des formations. Tu n'as pas besoin de regarder des vidéos sur YouTube. C'est juste, tu te documentes, tu vas sur Internet, tu documentes. Parce que pour elle, se former, c'est aller à l'école. Et c'est juste, c'est juste du bon sens, je me suis documenté, et encore, j'ai fait les annonces, et j'ai regardé les annonces, j'ai regardé le marché, j'ai regardé. Et pour elle, voilà, elle me rejoint sur ce sujet, c'est en crevant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on se forme. Elle a raison. Je ne veux pas te dire oui, non, achète-moi une de mes formations, et tu vas t'en sortir. Il y en a plein qui ont investi et qui ont très bien investi sans acheter quelques formations que ce soit. Mais là où je ne la rejoins pas, c'est que pour elle, se former, c'est aller à l'école. Moi, je pense, hein, et se former, c'est payer. Mais tu peux te former gratuitement. Tu peux te former en. Parce que moi, je te donne par exemple, si tu cliques dans la description et tu récupères, tu t'inscris dans mon cursus privé où je te donne des vidéos, je te donne des vidéos privées, je te donne aussi des vidéos sur la chaîne YouTube, des contenus privés, des contenus publics. Mais ça te donne des idées.
Je n'ai pas la science infuse, mais je peux te donner une idée qui va te tout changer dans ton investissement. Par exemple, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur la défiscalisation. Je te conseillais de ne pas faire cet investissement de défisc. Mais peut-être que ça a changé ton mindset et tu dis, bah, effectivement, il a peut-être pas tort et je vais me forcer, je vais creuser un peu plus et tu as découvert qu'on pouvait avoir une rentabilité de 5% avec l'investissement locatif. Et tu n'as pas besoin de faire un effort de trésorerie. Parce que tu ne peux pas faire un effort de trésorerie si au bout d'un moment, tu seras plafonné. Et la plupart des gens qui ont suivi mes formations ne sont pas restés à 1, 2. Il y en a, là, il y a je pense, à un ami maintenant qui est à 18 biens. Parce que, voilà, donc, ça ne coûte rien de... Alors, former, c'est peut-être un mot trop fort, parce que moi, c'est voilà, former, peut-être que c'est mal choisi le mot. C'est-à-dire que quand on dit formation, il y a des gens qui ont galéré, qui se sont dit, bon, j'ai galéré, j'en ai eu marre des études, je ne me revois pas refaire mes devoirs. Non, c'est s'informer. Voilà. Et rien, tu peux t'informer. Et prends plein de sons de cloche. Moi, ne suis pas que mes vidéos. Alors, ça, si tu t'abonnes, c'est tant mieux. Mais va voir mes amis. Alors, prends plein de sons de cloche. Et c'est en faisant, en mixant tout ça, que tu vas trouver des contenus. Tu vas te faire ta propre opinion. Et si tu veux gagner du temps, et c'est là que, voilà, ok, tu vas te former. Mais. Déjà, c'est pas tout le monde qui a. Elle dit, c'est juste du bon sens. Oui, je suis d'accord avec elle, mais c'est pas tout le monde qui a le même sens, le même bon sens. Peut-être qu'un truc qui est évident pour toi n'est pas du tout évident pour moi. Voilà. On n'a pas la même, on n'a pas les mêmes types d'intelligence. Je suis persuadé que tout le monde est intelligent, mais on n'a pas la même sensibilité. On n'est pas la même sensibilité au risque. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs comme moi. Il y a des gens qui sont plus dans l'investissement sécuritaire comme elle. Et peut-être que tu n'as pas la même intelligence, tu n'as pas la même sensibilité. Donc, trouve ta voie en écoutant et en t'informant si tu as peur du mot former. Donc, du coup, et c'est tout à fait gratuit. Tout à fait gratuit. Et ce que je te propose, c'est, je mettrai dans la description encore un lien pour te décrire. Alors c'est payant, c'est payant, mais c'est une monnaie sale. Ça dépend. Tu vois, pour moi, l'argent c'est relatif. Donc pour un milliardaire, c'est même pas, c'est gratuit. Et pour toi, peut-être que c'est une somme, mais je te garantis que tu en auras pour ton argent et tu feras un super super investissement parce que je vais décrire en détail mon système d'apprentissage, mon système d'information où c'est comme ça que je me nourris, je grandis. C'est-à-dire que maintenant je perds plus mon temps quand je circule dans ma voiture, je perds plus mon temps quand je patiente chez un médecin ou je sais pas moi, je patiente. Donc des fois, je regarde même plus la télé. Tu sais pourquoi, si tu me suis. Je préfère lire. Et c'est passionnant. Ma vie est plus riche grâce à ce système d'apprentissage. Et ce système d'apprentissage a déjà porté ses fruits parce que ça m'a permis de multiplier mon. Quand je te disais dans la vidéo précédente, si tu as 10 000 euros à placer, place au moins une partie de cette somme dans la formation. Mais place une partie de cette somme dans la formation parce que ça paye. Ça paye pas. Deux fois, trois fois, comme on te fait miroiter, tout ça paye 10 fois, 100 fois. Je te garantis. Regarde, ça n'a pas de prix là. Alors, je vais pas te montrer le paysage parce qu'il fait gris, mais je suis, tu vois, je suis, on est en janvier là. Je suis en t-shirt pour montrer, te montre le, je suis en débardeur sur ma terrasse. Voilà, ça c'est, je vois mes beaux-parents, je vois mes parents, enfin. J'ai changé complètement de vie. Donc ça a payé 10 fois, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Et tout ça parce que j'ai investi dans la formation. Donc fais la même chose. Je ne dis pas d'investir dans une formation à 1 000, 2 000 euros, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais même ce que je te propose, cette forme, ce lien, c'est une formation à moins de 100 euros.
Donc, c'est moins de 100 euros, c'est beaucoup moins. Donc, voilà. Donc, je te laisse faire. Si tu veux pas, ben, au moins inscris-toi dans le cursus offert sur investissement locatif. Et puis, je t'apprécie cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à commenter, à me le signaler. Et puis, je te retrouve pour un prochain épisode. Tu vois, je parle beaucoup là. Je me rends compte que je n'arrive plus à balancer aussi. Et ça, c'est parce que j'improvise beaucoup. Je pense. Là, j'improvise complètement, donc je suis plus dans mon cadre. Bref. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.